السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون رقم 6. انا انجلار. اليوم نجي في سينتاكس عن التمبليت دول. عندي شيء كي انتسيبي و في ليسون الفات دا اللي ميتو ان اكزامبل انا كومبوزان باران اللي هو اب بوينت كومبوننت بوينت موديل اب بوينت كومبوننت بوينت اتش تي ام ال وين يدينا الفيس هكذا عليك و فوالا. خليني نجيب نوصفكم ان جرو des structures dans le projet. On a décidé de créer un composant avec ng generate ou etc. Obaden, il nous a créé un composant qui s'appelle voilà plutôt une filobaline la leku point component raten filobaline la leku gray chat ou indien css ou html ou en fait on y est pour le moment de vu qu'on parle de template essentiellement on a du fil html. Alors, l'HTML est une simple balise. On a dit que les Houda nous voilà. Vous avez app component nous voilà. On a appelé les Houda, les composants en Hinida. Il y a un sélecteur. Le sélecteur, on peut l'appeler Michel Zey à tout une balise HTML. Yani, ce n'est pas une valise HTML, mais quand Khatena Zaidada, lui, il va comprendre que ça, c'est un composant qu'il va appeler. Dans le composant, je peux créer un autre petit composant qui va contenir aussi, enfin, qui va être par la suite appelé. D'ailleurs, en passant, tout pour créer les composants, il faut que les leçons 5, j'ai un peu documenté là. فوق ال ng generate ده هو نقدر نسوي كي 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 وبعدين نقدر نزودو له اوبشن دول par exemple quand nous devons générer un composant inline là on va juste prendre ça ou on coller ou terminer la gaine. Alors يجيب لنا شنو ng generate component dans tout un nom de composant قلنا له ولا ليكو خلينا نقول له un autre composant gray chat. Voilà, ah, il n'est pas content là. Oui, en fait, faut que les nomenclatures que demain on trouve en majuscule. Peut-être qu'on y n'y fait le bain. Ou d'ailleurs, on y a un doux web gaffi sous les dossiers comp, nous les comps slash comp agrégat et nous voulons manquer. Bon, allez nous le inline template, on va voir. Bon, tant mieux. On va faire manuellement, créer un composant. Un composant avant tout, il y a un dossier. Un dossier, par exemple, GrayChad. GrayChad. Voilà. Faut que les Ouda nous créer un fichier. Ah ouais, le fichier, on a le composant, le fichier grecat.component da normaga.component.ts. Ah ouais, le Ouda fait l'Ouda, on a indiqué ah ouais, le les différents imports. Ensuite, on a le décorateur component. Ah non, component. On va dire que nous avons un sélecteur. Sélecteur, en fait, c'est le seul élément obligatoire. Il faut que nous sélecteur le gray. Gray-gray chat. Voilà. Nous avons template. La template de tu fais comment? Il va faire une inline template. Ensuite, nous voulons le style. D'ailleurs, le component, il faut l'importer d'où? Zema Boulnehini. Il est dans le component depuis Angular Core. Il y a une solution import. Import. On va dire component
depuis Angular, From. Depuis Angular, arrobas Angular core. Voilà. Oui, d'après le style, là, ça va être un tableau. Bon, pour le moment, on les met à vide. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas, un P. Bonjour. Voilà. Après, il faut mettre une classe, export classe. Après tout, le composant de c'est une classe. Classe, il ne faut que décorateur. On a tout nom. Nom de pour qu'il y ait ma ou il y a un boulot. Voilà, gray chat. Gray chat. Au fil convention du nom, il y a un boulot component. Toujours component. Component. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Khalim Choufouini, comment est-ce qu'il l'a nommé? Voilà, l'allée ou composante. Normalement, on a créé notre composant. Tout est bien, je pense. Mais tout va bien. Il y a des styles ici, styles. Voilà, tout est bien. Dans sa ligne, on a créé un inline component. Mais en fait, pour qu'il y ait le composant de tout, pour qu'il soit reconnu, en fait, nous sommes inutiles pour les modules. Les modules, on va déclarer dans la liste des composants. Là, on a ajouté un nouveau composant. On a tout le composant là, tu l'importes depuis où? Importe. Importe plutôt. Importe. Importe. Le graphique component from depuis non depuis alors depuis comp et après dans le goulot depuis graphique et tu prends tout le composant avec voilà c'est il a récupéré les composants. Oh, il est content. En gros, c'est un cool. On a créé un fichier de un composant inline. Comment il nous les crée quoi. Ou bien quand on a ng generate component ou antenne juste au sommet du composant, il va générer quatre autres fichiers. Il va créer un autre avec le même nom ou extension HTML ou CSS. Il joue juste les aspects dans le test unitaire. Ouais, initial test unitaire de toutes les façons il est parti là-dedans, on s'en fout, on a déclaré ça ou juste mon objectif c'est de pouvoir appeler ça dans mon composant à le composant à app component.html là appelle aussi l'autre composant voilà au ng serve. Alors, on dirait qu'il y a des soucis. J'arrive. Alors, en fait, le problème d'Indy paquet doit être installé ou contradictoire mais les Node.js. Du coup, je suis planté, réglé, je vais démarrer ou quoi. D'ailleurs, c'est pour cette raison, Bubalda, ok, c'est le. Voilà, ok, c'est le Z, à saline de cette fois-ci quand vous le créez moi un autre composant grec 2 là bah il va réussir à le créer quoi d'ailleurs il va le faire en inline voilà vous le inline template il n'a pas créé des fichiers voilà d'aller créer les m'a créé les fichiers HTML directement créer CSS ou créer à tout component quoi ça va les templates de inline quoi. Toutefois, nous devons nous ajouter le Huda, nous devons ajouter le Huda, nous devons inline style.
Il va tout faire inline. Fais-moi un composant grade 3, par exemple. Grade 3. Avec des configs. Il va me créer un dossier 3, grade 4, 3. Et il va juste à juste un minimum quoi, une template inline ou le style quoi, inline ou Z quoi. Ou en même temps quand il crée dans ma, il ne s'arrête pas juste uniquement là, il met à jour un autre module. Faut aller le module là, il ajouter le format créer. Bon, comme vous le savez, il y a un de composants de l'ouadine dans la statine créée de la montagne, on va les supprimer. Oh, on met à jour les modules, yani, quelque chose qui n'existe pas, donc on va pas l'importer. Donc il faut que l'importe, que l'on nettoie ça. Oh, comme je dis, nous avons tous les local host, nous voulons local host, voilà, 127.0.0.1.1. Directement normalement da, oui numéro de port 4200 voilà da y a tout dal al premier affiché les da ensuite dans les graycad on a l'allée qu'on a le composant l'allée coup da tout bonjour d'aluminer le troisième composant voilà en gros filou balé l'HTML. On peut appeler un autre, tout comme ça, au lieu de l'appeler ici, de notre on a appelé au fil ou balé Graychat directement, parce que, au lieu de l'inac de notre on a directement, ou il ferait la même chose. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un affichage en boucle. Ah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait moi? Houda plutôt le Houda, on va l'appeler filou le composant Houda. Parce qu'il on l'a appelé lui-même dans lui-même, donc il n'y a aucun sens. Voilà. On manquait d'un. Voilà, il faut qu'il enregistre ça. Inch'Allah. Voilà, en gros, afficher les enfants de là. Alors, en relation d'Indina, tout les sons 6 là, Indina, vous voulez à l'interpolation là, par exemple, on va venir dans notre composant, mais il faut les composants à l'aller, par exemple. Filoubada, on va définir avant tout que voilà, on va définir une interface. Je pense qu'il y a bien une interface d'autre. Une interface, je ne sais pas, on va dire étudiant. Un étudiant avec un nom de type string, un prénom de type string aussi, âge par exemple de type number. Voilà, juste on va créer notre type, créer type guinéen étudiant. Ou par exemple, lorsqu'on initialise un Google, tu mets les titres. Titre, là, en anglais, on retrouve tout titre, puisqu'il y a une abadé en français. Titre égale à page, là, les coups, par exemple. Voilà. En fait, quand on dit notre titre, Zeda, on a affiché les titres de filou, la partie HTML. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, interpolation triangulaire. Ou ça s'est fait comment? Juste taguini ou essayer pour les accolades ou tout le monde qui titre. Voilà. Oda, il va l'afficher. Yani, si vous voulez, on peut le mettre. On a tout fait H1. Nous voulons aller H1. H1 ou voilà, H2, nous voulons HD comme titre. Nous faut tout faux. Alors,
كان جينا لو في بال voilà. En fait, galère ne chenou pas, je l'allais écouter. Ça, c'est notre titre qui est défini. Filou balé le composant. Là, on a défini un objet simple. On peut définir, je ne sais pas, un étudiant. Étudiant, par exemple. Des types, le type Agada, type, on a l'étudiant, c'est des types étudiants ou nous devons initialiser ou des types étudiants. On peut l'initialiser ou nous nom égale Issa. Prénom Daoud, par exemple. C'est un nom que j'ai choisi au hasard, quoi. S'il y a des coïncidences, c'est du pur hasard, quoi. Alors, Bonogullo Ajda 25 ans, par exemple. Voilà, on a un étudiant comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va l'afficher? Interpolation, interpolation, juste, toujours, ça se fait comme ça. Ou tout l'objet. Si on tente d'afficher comme ça, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Voilà, Galen, object, object. Il n'a pas réussi à les lire. Pour les lire, on va faire comment? Nous point nom. Et on affiche les éléments. Point nom. Par exemple, on peut faire tout quelque chose de très bien joli. Nous voilà les P. Dans le P, là, nous par exemple, nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant ou Nougoulo Alhouda. Dans gros, il y a Houda, Michel Zey. Supposons qu'on a une page des profils, voilà, on récupère les infos du Nana et le Nadoumda. Donc derrière là, la partie dynamique, il calcule, il récupère, il y a depuis la base des données et tout. Mais Anine, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On prend et on l'affiche. Prénom de l'étudiant, nous étudiant pour un prénom. Âge de l'étudiant, par exemple, âge de l'étudiant, nous étudiant pour un âge. Après, dans notre gauche, nous, voilà, manquer quoi. Nous devons ajouter le ODBR de ligne pour faire des retours à la ligne. Voilà. C'est super, non? On peut être fou, non? Voilà, nous voulons chez nous. Alors, au lieu d'étudiants, on va dire, on va avoir un tableau d'étudiants. Cette fois-ci, le tableau d'étudiants, là, il va contenir une liste d'étudiants. Bon, ça va être plutôt un tableau d'étudiants. Donc, un tableau, on les déclare comme ça, quoi. Voilà. Je pense que, moi, j'ai TypeScript, mais les tableaux se déclarent comme ça. Des points étudiants, à type, ou à tous les guillemets, non, les crochets ouverts et fermés. Ou bien, comme on dit, nous devons utiliser le mot-clé. Le mot-clé va être array pour tableau. Array. Voilà, dans tout. Entre chevrons, ouvrant, fermant, dans notre tout, à type. Là, il déclare un type étudiant. Voilà. Par exemple, comme ça. Par exemple, il faut que le type, il faut que le par exemple, on peut dire le prénom de c'est optionnel, donc on le point d'interrogation. Même si on met pas le prénom, il signale pas d'erreur. Alors, on va définir un deuxième étudiant. Un troisième étudiant. Un quatrième étudiant. Amat. Comme le prénom n'est pas obligé, on ne le met pas. Ensuite, il est dans le boulot chez nous, Idriss. Ou un Khaloub. Ou il est dans le boulot Moussa, par exemple. Voilà. Badenda, on va avoir sûrement des erreurs quoi, derrière là, quand on ouvre la console là.
Quand Fakene, le console d'Analgo, il a fait des erreurs parce qu'il y a tout ça un tableau, quoi. En gros, nous, l'étudiant, déjà, étudiant sans S, il est dans Maga. Donc, il faut que nous parcourir les tableaux, donc afficher les éléments de l'un en un, quoi. Voilà, ce qu'on va faire, donc on va faire une boucle for. Boucle for, il faut balayer la partie HTML. Il faut balayer, au lieu de faire ça, nous devons aller dans nos goulots chez nous. Le boucle for de ça c'est défini comme ça, boucle ng plutôt en minuscule ng for f dans majuscule ng for égale pour le mot-clé let in la let. On a tout un nom temporaire, voilà, donc dans nos goulots étudiant par exemple, si vous voulez étudiant of on goulot étudiant dans le tableau à bien, voilà Yanni. Il va parcourir tous les tableaux et chaque ligne en haut le tableau, il va les récupérer dans étudiant, il l'affiche et ainsi de suite. Cette fois-ci dans le résultat. Voilà, comme vous voyez, il va afficher les tableaux. Comme vous voyez, Yabis. Supposons que on va se dire que le type prénom, ce n'est pas un type simple. On va dire que par exemple, Khalil définir une autre interface. Interface en minuscule. Interface étudiant. Interface prénom par exemple. Ou bien Khalil nous goul identité. Voilà. Identité. Voilà, interface identité. Ouais, interface identité de par exemple Nougoulou prénom 1. Ouais, il va être de type chaîne de caractères. Prénom 2 clou de type chaîne de caractères. Voilà. Ou après, si vous voulez, le prénom, au lieu de dire il est de type string, on va dire il va être de type prénom 1, prénom 2, quoi. Voilà. Comme ça, le prénom, vous êtes que c'est un autre type. Donc, nous goulons sur nous, prénom 1, de type nom, prénom 1, il y a tout indiqué. Ou prénom 2 à définir, quoi. Khali. Nous avons le prénom 2 de l'idée optionnelle, que nous avons le point d'interrogation. Alors. Voilà. Ouhouda, pour afficher, il faut que les à tous les. Inidéal prénom, quand afficher Kebesda à tout, il va pas les reconnaître déjà. Ça va être un peu. Notre tout prénom, point prénom 1. Concaténé, on affiche le premier prénom, éventuellement s'il existe, et le prénom 2. Voilà, il y a comme ici pour tout que ça soit encore plus clair. De Khalilou, nous devons définir le prénom 2. Il faut que nous devons définir un prénom 2 par exemple. Si vous voulez, Goulou prénom 2, prénom de Goulou Mohamed. Voilà, après, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Zéma Chouftouda, il n'était pas content, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait dans la partie Hinida? Pourquoi est-ce qu'il a affiché le premier élément avec ce Khali, on va faire autre chose. Les ajouter prénom 2 des Hini Fogalé Houda.
Alors, vous allez voir, Tony a saline que on a une erreur quoi. C'est pourquoi l'affichage est incomplet parce que nous voulons undefined of an object. Yani en gros, le prénom il peut être nul. Yani faut galer le cas dada le prénom il est nul. Mais yani nous voulons chez nous prénom point prénom 1, prénom point prénom 2, ou d'un. Donc pour ça en fait vous solo en manqué vous retrouvez au point d'interrogation hini comme hini je pense. Ah, le point d'interrogation je pense c'est avant le de quoi avant le point tout comme hini avant. Ensuite, d'afil le premier niveau, ensuite, il faut le deuxième niveau pour le point d'interrogation. Le point d'interrogation, pour lui dire que, voilà, éventuellement, bon, un nom, on va pas le prénom 1, il n'est pas, il est obligatoire, on va pas mettre. Mais il nous éventuellement, prénom va être nul. Quand si prénom est nul, ne cherche même pas à afficher prénom 1. Oui, prénom peut éventuellement être nul. S'il est nul, ne cherche même pas à afficher prénom 2. Et même prénom 2 peut être nul. Donc on enregistre et qu'est-ce qu'il va dire? Bon, comme vous savez, tout nocturne solo expression ternaire d'olfini, yani au lieu de tourner par mille chemins de nocturne. Voilà. Si. Si étudiant pour un prénom est différent de nul, là on fait ceci. Sinon, là, on affiche nul. Voilà, juste comme ça, c'est aussi simple que ça. Au il nous a tout affiché quoi. Voilà, donc à manquer quoi. Là, le prénom, nous faut le prénom 2 quoi. Bon, le prénom de toutes les façons, tout le temps, il est à tout nul. Oui, il y a le point d'interrogation d'Amna. Bon, c'est bon. Alors, comme vous voyez, il y a tout. On a notre tableau. Mais en réalité, le tableau, on ne le définit pas ici. En réalité, le tableau, c'est une autre API écrite en Java, écrite en quoi, qui nous les fournit. Oui, par exemple, nous voulons get data. Par exemple, on va supposer que c'est cette fonction-là qui appelle l'API et qui nous retourne les résultats. Voilà. Et son type de retour, c'est quoi? Son type de retour va être un array d'étudiants. Oui, Nida, il faut que j'ai aussi je formate. Je caste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, ah oui, en fait, elle fonctionne à l'île de Maragnabar Akola dans le composant. Donc, il faut qu'on le mette à l'intérieur du composant. Voilà, comme ça, c'est bien. Une idée à les deux points pour lui dire le type de retour de la fonction. C'est ça. Pourquoi est-ce que alors Khali les caster ou on va forcer le castage le casting plutôt. Voilà, oui, Nida, on va lui dire voilà étudiant comme ça. Ou en général filou fonction ng en init de voilà tu appelles l'API et tu me récupères les données. Voilà.
Ils récupèrent les données, ils les affichent. Au Kitgan, ils récupèrent, Damagan, ils récupèrent directement au boulot. Tu les mets dans étudiants. Voilà, à manquer quoi. Oda, ça change pas les choses quoi. Il affiche textuellement la même chose quoi. Mais dans la vraie vie, Ida, en fait, les types en API, le résultat en API, les API, API, en fait, juste pour ouvrir la parenthèse, Ida, en fait, Angular, c'est côté front. Anina, on n'interagit pas avec les bases de données. Il y a tout généralement, c'est des applications côté back, il y a tout Java, Node.js, ils font les calculs, tout. Après, il expose les données sur des API REST. Donc, ou bien peut-être, je sais pas, un tutoriel bientôt. On va plutôt consommer les retours en amener API. Au retour de souvent, il est sous forme d'un observable. C'est pas sous forme d'un array. Observable dans la jugement après, mais pour le moment, là, juste ce qu'il fallait savoir, là, ils sont définis sous la bibliothèque RxJS où on les écrit comme ça, observable, à manquer, observable, ou inida, nous voulons directement, voilà, ils proposent les noms, on les importe. Il y a une bibliothèque qui où sont RxJS, ici, aussi vous les voyez, au tout début, quand on a créé le projet Angular, là, Angular lui-même, il est tout intelligent. Il les a installés lui-même. Il y a RxJS, la version 6.5.5. Installé en il faut que l'application tourne. Voilà. Inida, il doit être un objet de type observable. À manquer. Donc, Inida, plutôt. Off. Off, c'est une fonction qui est définie dans observable et qui force les choses pour devenir des observables. Alors, Hinida, en gros, l'étudiant dans l'ingoulot, toi, tu es un observable, quoi. Mais ça va pas marcher. Il faut qu'il change de type en objet. L'objet, il va être un observable sur des tableaux des étudiants. À manquer, quoi. Wadada, quand Nasakankeda à l'application, il va pas fonctionner parce que c'est un observable. Attendez, Malishinida, c'est juste, justement, il y a les chevrons fermés. Voilà, après, demain, il devrait afficher les étudiants, tableau étudiant, demain, il devrait afficher Ubuntu. C'est pourquoi tout, on introduit un nouveau truc qui s'appelle les async. C'est un pipe qui est défini par Angular pour y permettre les notes de lire les leçons d'aller. L'observable directement dans notre base de données quoi, dans notre HTML quoi. Et voilà, cette fois-ci il arrive à nous l'afficher. Voilà, comme vous voyez dans Salienda, on a réussi à nous connecter, à afficher les éléments depuis récupérés depuis l'API. C'est très intéressant. Bon, en général, il y a tout pour bien organiser, il y a tout notion être les services. Nous, par la suite, on va séparer les choses. Ouda, ça va être plutôt fait dans un autre fichier qui est appelé service. Et le service, c'est lui qui appelle les API, quoi. Donc, en gros, au bas d'un moment, on va le mettre dans un fichier modèle. Ça lien que dans le tel qu'il est, où on reviendra par la suite. Nous chauffons une notion suivante. Pour les couragines à l'interpolation de Yahoo, on a même pas mal à Guinafoga. Il y a tout binding des propriétés. Alors, le binding en fait, c'est l'outil de dessin à Guy. Jusqu'à là, l'écran à Guy. Le programme il tourne dans le programme il tourne il fait ses calculs et il nous affiche les résultats. Anina, on veut communiquer avec le programme. Maintenant dans Doru yabga la communication des bidirectionnelles. Alors le binding là indina a tout au lieu d'utiliser les accolades ouvrantes fermantes double accolades ouvrantes fermantes.
on va utiliser autre chose. Bon, déjà pour communiquer là, on va ajouter des inputs. Je vous conseille Amchuku Kuruatana Coach Master, très intéressant. Gaya Jirokofi base en HTML ou en Asalien, que je suppose que vous connaissez le langage HTML. Ou input type text. Value ou Hagada, on va mettre quoi? Plutôt value. Al value da, on va dire, voilà, alors. On va lui dire texte. Enfin, on va lui dire ma valeur. Voilà. Cette valeur, on va la définir. Composant, on va définir ma valeur qui va être égale à vide, par exemple. Alors, on a du nord gauche, nous. Définir les champs qui est vide. Khalil affiché ou en temps réel lorsqu'on modifie, on va l'afficher en bas. Est-ce qu'il change ou voilà, non? Pour les débuts, là, nous avons un peu. Nous voulons ma valeur. Nous voulons valeur. 2 points. Voilà. Comme ça, là, on va voir y a tout changement. On a la valeur de, en temps réel. Voilà. Normalement, dans le binding, il y a tout unidirectionnel. Pour qu'il y ait. J'arrive. Alors, je vois tout d'ailleurs tout le programme qui il arrive quand une des variables il y a affiché les n'importe les un composant pour que notre donne modifier ou il par exemple il par exemple là Yahoo voilà il y a tout le hello hello mais maintenant on modifier ou pour modifier ou d'ailleurs tout on va faire appel au forme de quelque chose de très puissant pour les Angular. On va les découvrir par la suite. Alors, Khalil, nous avons un binding, on a l'événement. Par exemple, je vais, quand je clique, par exemple, pour les étudiants, là, par exemple, il va m'afficher son nom, son prénom, ou quelque chose. Da yani quand tu cliques ici évidemment clic ou donne clic égal par exemple on va lui dire afficher qui va afficher quelque chose par exemple cette fonction là il faut la définir à l'intérieur allez console.log bonjour voilà ici on a défini un événement rapidement un événement de clic voilà ça salient quand dit cliquer faut que l'étudiant à l'audace il va m'afficher bonjour ici yaoulou je clique ici il m'affiche bonjour. Mais Anaïni, par exemple, si je vais afficher les informations concernant cet étudiant, là, il faut que je passe l'étudiant même lui-même en paramètre à la fonction ini. Oui, ini, cette fonction va avoir ini, pour le moment de la fonction elle est de type void. Elle va avoir un étudiant en paramètre, un étudiant de type étudiant. Voilà. Voilà, ouais, ini, par exemple, on va lui dire. Console.log non 2 points étudiant.nom par exemple voilà par exemple il y a prénom au pluriel prénom il a tout seul l'expression ternaire libelle si prénom est non nul alors on affiche prénom point prénom 1 étudiant point prénom plutôt
plus étudiant, point prénom 2. Et sinon, on affiche un nul. Ou bien plus simplement, on affiche comme ça, quoi. Voilà, il est donc peut ajouter notre tout l'espace magnifique. Ensuite, il y a le goulot H. Voilà, si c'est H, là, tu fais comme ça. Voilà. On clear. Bon, on fait rien. Là, quand je clique de cette fois-ci, il ne va pas dire bonjour. Mais il va m'afficher, voilà, j'ai affiché Issa au Daoud. En fait, je n'ai pas mis l'espacement entre. Ici, quoi, il faut que je mette d'espacement. Il faut aller la partie. Il faut que je mette d'espacement. Voilà. Okay, là, après, là, quand on a Daoud, il va mettre espace entre Daoud et Mohamed. Voilà, je le gâtine. Voilà. De ce comme ça, tout on fait dans l'événement. Au clic, il fait ça. Mais après tout, nous on mouse. Dans tout le clic. Donc, dans le groupe mouse out, je pense. Mouse out. Donc, dans le groupe console.log. Hello. Voilà. Au survol, qu'est-ce qu'il dit? Allez, définir la fonction avec une, par exemple, test. Voilà, la fonction test, je vais l'implémenter ou la git test de type void. Voilà, afficher les hello. Quand il faut réguler les hello. Ou par exemple, pour plus de précision, voilà, on lui donne l'étudiant. On a affiché en paramètre, il a un étudiant en paramètre. Vous avez survolé l'étudiant. Alors, challenge il faut échapper les caractères pour que l'étudiant, je vais expliquer échapper là. En fait, je cherche des caractères à Guinabad, tout simple code. Ou le simple code, ou l'étudiant, puisque nous donnons soit l'apostrophe de simple code. Pour qu'il reconnaisse, il faut que échapper ou tout échappe là. Il y a un bon, tout slash inversé là. Voilà, c'est en gros, là, il faut ajouter ça pour qu'il reconnaisse les en tout, par exemple, là, non, on a les étudiants. Étudiants.nom. Voilà. Alors, quand c'est un cas d'abouglé, vous avez étudié, vous avez survolé l'étudiant Issa de Idriss Moussa. Voilà, en fait, on a Google mouse out. Mouse out ده كان تدخل في لوب مرك ونقدر نقول له ماوس ان جو بونس ماوس ان بون peut-être pas الميم je mettrai les liens vers la documentation ou l'événement donc alors on peut faire plein de choses au sein de notre composant là. Je pense que prochaine fois on va utiliser un élément très simple des formulaires pour que à tout nous communiquer
pour faire communiquer notre composant inda pour créer valeur inda noctublo une valeur ini on octubu nous modifier les valeurs de cette valeur va être mise à jour en temps réel ini par exemple ou bien je ne sais pas on a une liste d'étudiants ini et on saisit par exemple un nom ici et à travers ces noms on peut filtrer la liste qui se trouve en bas ici quoi voilà il y a tableau de l'étudiant guinadol ils sont affichés dans une liste à manquer quoi enfin dans un paragraphe en désordre on peut le mettre dans un tableau table d'après mon HTML tableau HTML là dans les tableaux dont on a les deux aides voilà on va définir table les tableaux HTML5 de Indien avec le T header je pense TD Nougoulou, on a trois on a trois colonnes donc TD fois 3 il va nous générer Ousmada Nougoulou, non oui par exemple nous le prénom oui nous le âge par exemple ou hinida ou nous le tbody par exemple ou à filoubada nous le td fois 3 alors le premier td da étudiant.nom ou le deuxième on va prendre tous ces calculs là ensuite le dernier on a l'âge d'un chourou là quoi voilà collé au on a le TD de l'objet oublié il faut le mettre dans un TR voilà le coup le cadeau déplacer ou faut qu'il voilà si tout est bon comme ini on va mettre un TR le coup le on va les déplacer en haut alors on veut faire une boucle for cette boucle for il faut la mettre au niveau de l'objet TR même quoi. Voilà, au dada on peut les virer. Da niveau présentation, de ça va être un peu joli. Voilà, comme vous voyez, de Yahoo Jabalen, un tableau, ok. Voilà, avec tout ça, quand nous cliquons, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, afficher les nids. Inikulu. Quand Inikulu a l'événement de Ole de Mouse in, Alma Adilda. Quand nous avons le mouse out, da. Lorsqu'elle sourit, quand survoler l'élément ou quitter, il va afficher un message, vous avez survolé tel tel. Voilà, il nous dit, vous avez survolé Issa Daoud. Vous avez survolé Idriss. Voilà, en gros, Daoud quoi. Prochaine fois, d'ailleurs, voilà, notre une champ de recherche, on a un ensemble d'étudiants. Il va filtrer nombre à toute liste en étudiants en fonction de ce qui est écrit. Il faut qu'il y ait. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session.